Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle vidéo, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on va se dépêcher parce qu'on fait déjà une ligne de quasi une heure, donc niveau upload ça va être sympathique. Donc on va y aller directement, on est en Cetra S415, mesdames et messieurs, le tout nouveau Cetra qui vient de sortir. Donc je suis très très content de vous le présenter, voilà il est très sympathique, Cetra S415 NF, c'est le premier bus Cetra sur OMSI 2, parce que jusqu'à maintenant on avait quasi que des cars. Alors vous allez voir, le Cetra reprend pas mal d'éléments du facelift, c'est Helvet qui l'a fait, mais bon, il est quand même plutôt sympa. Je crois que IRL en plus, ce Cetra, même il ressemble beaucoup au facelift, donc du coup, bah forcément dans OMSI 2, il va ressembler aussi beaucoup au facelift. On a un petit antéviseur, mesdames et messieurs, pour l'intérieur en forme d'ovale. Donc c'est plutôt sympa, et après le tableau de bord ça reste un tableau de bord VDV je crois que ça s'appelle, donc quasi comme les facelifts. Aujourd'hui on fait la ligne 91.06B qui dure quasi une heure, sauf qu'on est samedi, du coup on n'aura pas grand monde, clairement mesdames et messieurs. Et puis en plus ça s'est déjà configuré tout ça. Attendez-moi, attendez que je regarde un petit peu ça de plus près. Donc notre Ibis c'est celui-ci, donc on a un Ibis quasi comme le MAN A21 de V3D, donc c'est plutôt agréable parce que cet Ibis est très très bien fait. Donc on est en ZL064 et en route numéro 4. Hop. Voilà, nickel, on va leur ouvrir les portes. Alors par contre le seul petit défaut entre guillemets de ce Cetra, c'est qu'on peut pas passer les arrêts, ils se passent automatiquement, et si on veut les passer, bah, c'est comme l'Ibis du MAN, c'est à dire qu'il faut les passer manuellement. Et vu que sur Express on a deux annonces par arrêt, va falloir un petit peu trifouiller pour que tout fonctionne bien. Alors, pour elle, c'est un voyage 1,70. Bonjour madame, voici votre ticket. Hop, bonjour. Voici. Bonjour. Pourquoi il me parle pas? D'habitude, il me parle, mesdames et messieurs. Un plein tarif, 2,70. Bonjour, bonjour. Bah ouais, il me parle pas. Mais des fois, il parle, des fois, il parle pas. Vous savez, c'est un peu MC2. Donc des fois c'est un petit peu la galère. Hop, ça y est, on a quelques passagers du coup. Et on va passer directement notre arrêt. Hop, en cliquant là-dessus et en appuyant sur le bouton pour passer les arrêts. Et normalement ça devrait se lancer. Ah oui, non, quoi qu'il n'y a pas de passage d'arrêt pour les départs et les arrivées. Ouais. On a quelques petits soucis d'annonce vocale avec ce bus, notamment au terminus, ainsi que du coup au départ. Mais bon, c'est pas bien grave, les arrêts se passent bien au fur et à mesure. Ce qui se passe, c'est que j'ai installé le patch additionnel de l'IA. Donc normalement, on devrait avoir des bus modés. Donc tous les bus que Agora S114 a modés pour sa map. Et qui, voilà, il les a modifiés pour les rendre un petit peu plus français. J'ai aussi ajouté le pack de Trafic AI de la donne Hambourg à Fun City. Voilà, puisque tout simplement, eh bien, j'avais ces véhicules, du coup, je les ai activé. Comme vous pouvez voir, voilà, on a des véhicules un petit peu plus récents et qui nous sont un petit peu plus familiers, qui stationnent. Par contre, en termes de Trafic AI, j'espère que ça va pas tout faire bug et j'espère que ça va bien fonctionner. Normalement, il devrait pas y avoir de problème. Alors, hop, on va ralentir un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter aussi un petit peu le son du jeu. Ce sera mieux pour vous parce que là, on n'entend pas grand chose. Hop, on va le faire ça directement comme ceci. Voilà, nickel, va falloir mettre le chauffage etc, mais bon on va le faire au fur et à mesure mesdames et messieurs, puisque comme je vous ai dit, là clairement on est sur une ligne de 1 heure. J'ai pas du tout envie que ma vidéo fasse plus de 1 heure, donc bon, j'ai fait ça un petit peu à la one again. Hop, nickel. Donc là il y avait le petit point d'exclamation hein, c'est pour ça que je me suis pas arrêté, parce que le feu allait passer au vert dans une seconde quoi. Hop. Mais bon, c'est pas une raison, j'ai quand même ralenti. Il faut leur mettre de la lumière, ouais. On mettra de la lumière au prochain arrêt, donc pas les Ovilles. Et du coup, la petite stratégie que je vais utiliser pour faire fonctionner notre nos annonces vocales, c'est qu'à chaque arrêt, je vais passer l'arrêt manuellement. Et je vais tout simplement activer l'annonce vocale. C'est-à-dire comme ceci, je passe, je mets le frein et je passe l'arrêt. Voilà. Alors, on va leur mettre un peu de lumière. Ah voilà, 52 minutes, arrivée prévue à destination. Donc bon, voilà quoi. Clairement, on a quand même un petit peu de route, mesdames et messieurs. Alors, à savoir que on a un contour sur ce tableau de bord, donc c'est plutôt sympa. C'est un petit peu comme le facelift U,
interurbain qu'on a, où il y a, lui aussi il a un petit contour comme ceci, et donc c'est plutôt stylé. Donc là ça y est sur le Cetra, à savoir qu'il y a deux versions de ce Cetra, il y a une version bus si vous voulez, comme j'utilise actuellement, il y a une version aussi interurbaine avec des portes de car si vous voulez à l'entrée, donc en gros c'est tout simplement juste une porte qui s'ouvre en louvoyante extérieure, alors que celle-ci s'ouvre s'ouvre bien vers l'intérieur. Voilà, donc il y a juste une version un petit peu plus interurbaine que l'autre, tout simplement. Alors après, je suis en train de réfléchir un petit peu est-ce que j'aurais oublié de faire, mais normalement tout va bien. Donc ça devrait être bon. J'espère que vous êtes content de voir un petit peu Express. Et donc là, je vais vous présenter aussi la petite livrée intéressante que Agores 114 a fait sur le bus, qui n'est pas encore disponible, hein, livrée qui n'est pas encore disponible, puisque actuellement il est en train de travailler sur une version elle aussi modifiée de ce Cetra S415, donc tout simplement une version modifiée avec de nouveaux sons, enfin non, pas de nouveaux sons, mais je crois une nouvelle girouette, ensuite des panneaux de publicité à l'intérieur, etc. Peut-être changer les valideurs aussi, ce genre de petits détails qu'il a fait sur pas mal de bus qui roulent sur Express. Hop. Nickel. Hop. Nickel. Alors par contre, le truc que je regrette un petit peu, c'est de pas avoir de petits bip bip quand les portes arrière se ferment. Donc je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. Regardez à quoi ça ressemble. Sinon, en termes de modélisation, etc., c'est quand même relativement propre. Je trouve que le Cetra est vachement bien fait. Pour le coup, en tout cas, ça fait vraiment bizarre de voir un Cetra bus... sur MC2, c'est vrai que nous en France on a beaucoup de ces Cetra, notamment dans les stations de ski. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a pas mal qui sont utilisés en navette ski, au même titre que des Citaro. Et du coup, voilà, voilà un petit peu ce que ça donne. A savoir que je remercie aussi Adèle qui m'a indiqué les lignes à modifier pour avoir la girouette Kruger Plus qui fonctionne. Donc là, vous voyez, il y a bien marqué 8106B. Cormegar, mon intéressant, disponible sur vos smartphones, tout simplement une application. Et donc, on a bien une girouette alternative qui marche. Derrière, pareil pour le collègue, lui il fait la 9110 qui, voilà, elle aussi, elle a une girouette alternative. Donc, voilà. Franchement, c'est propre et c'est plutôt très bien fait, je trouve. Ça fait plaisir quand même de retourner un petit peu sur Express. La banderole stiff est hyper bien appliquée, c'est très élégant. Donc franchement, je voilà, je kiffe. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Du coup, pour savoir ce qui est disponible pour vous, le bus est disponible. Par contre, la livrée n'est pas disponible. Et si vous voulez modifier tout simplement la girouette pour que ça soit compatible avec Express, je vous indiquerai la manip à faire dans la description de cette vidéo pour que la girouette soit tout simplement compatible avec le Kruger++. Alors par contre, là, on se tape un peu tous les feux, mais bon. C'est pas bien grave, hein, ça arrive, on peut pas tout le temps être toujours prioritaire. Hop. Nickel. En termes de retard, là, on est comment? On a une 5 de retard. Très bien, donc on va se mettre pied au plancher. Et on va décoller, mesdames et messieurs, le collègue derrière. Enfin, la collègue, plutôt. Elle s'en sort, elle est avec son petit facelift interurbain. C'est vraiment hyper stylé, hein. C'est vraiment, mesdames et messieurs, hyper stylé. Franchement, j'adore. J'adore. On va pas rouler trop vite là parce qu'on a un virage et un feu après. Alors je sais pas, ce qui est bien du coup, enfin l'avantage, le seul avantage avec ce type Ibis, c'est que du coup on peut répéter les annonces vocales. Donc ça veut dire si j'appuie là, voilà, il va répéter lycée Camille Claudel. Hop. Nickel. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais même passer cet arrêt à l'avance. Comme ça on va pouvoir le mettre un petit peu plus tôt. Voilà. Nickel. Alors par contre, dans cette zone, c'est vrai qu'il y a toujours eu des FPS un petit peu critiques qui sont plutôt limites. Mais bon, ça a toujours été comme ça dans cette zone. C'est pas très bien optimisé ici. La collègue derrière. Ça va, elle s'en sort. Elle va à plateau du Moulon. Donc on va pas au même endroit. Donc la ligne 9110 hein, qui est pas disponible, mais par contre qui est liée à la 9106B. Donc notamment en correspondance, on a pris le petit orange du feu. Hop. Ah nickel, c'est bon. C'est feu vert. Hop. Alors on est samedi aussi, donc il y a un peu moins de passagers déjà. Il y a peut-être un peu moins de trafic aussi. D'ailleurs le trafic, j'ai pas l'impression qu'il se soit mis.
Ah non, c'est parce que j'ai mis le mauvais. Ok. En fait, j'ai remplacé les véhicules d'Affen City au niveau des véhicules qui sont parqués, donc qui sont garés, mais j'ai pas encore modifié pour l'I-list. Là, vous voyez, on a encore les véhicules de base. Je le ferai. Je le ferai, je le ferai, mesdames et messieurs. Hop. Alors là, ici, je fais toujours gaffe. Parce que nous, on a la priorité en tant que bus, mais il y a toujours des voitures qui nous la grugent. Vous voyez, c'est une priorité à droite. Hop. C'est bon. Allez. Nickel. C'est parfait. Donc là, du coup, on va rentrer directement dans la zone, bah, comme d'habitude, j'ai envie de tout dire, du campus. Voilà. Hop. Donc on va avoir les petites barrières très bientôt. Elle a vraiment sa particularité, cette map, quand même. Hein. C'est impressionnant. Alors, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir demandé... Regardez, là, les véhicules d'Affen City sont sur votre droite. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé, mesdames et messieurs, ouais, tu peux faire une vidéo avec RTM, etc. Donc, la map Marseille. Et oui, c'était prévu, sauf que actuellement, j'ai contacté le développeur, justement, de RTM. Donc, si t'es là dans la vidéo, je te fais un petit coucou, Mysterio. Enfin, en tout cas, l'un des développeurs. Et il m'a dit qu'ils étaient en train de refaire toute la map. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous faire de vidéo sur RTM. J'attendrai certainement la première version de la nouvelle version, en fait. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais voilà. Donc je vais attendre un petit peu avant de faire une vidéo sur RTM, et on va continuer notre let's play, bah, tranquillou, tout simplement, sur Airport Map. Quoi, voilà, donc on aura bientôt fini, et après on enchaînera sur Belgrade. Entre temps, je vous fais quelques petites vidéos sur Express, bah là, plutôt régulièrement, une fois dans le mois. La TZD, comment ça va, si vous voulez des nouvelles? Bah, la TZD, pour l'instant, c'est en pause, puisque PDP, voilà, en gros, on était en train de discuter d'une solution avec PDP, et il me disait que baisser le rang de notre entreprise, ça désavantagerait les autres, puisque, tout simplement, bah, il y aurait, au final, beaucoup d'employés dans notre entreprise, et d'autres personnes qui voudraient créer leur entreprise ne pourraient pas, en raison du rang trop haut, trop haut de notre entreprise, donc c'était pas possible. Du coup, je lui ai proposé une autre solution. Hop, je vais y aller, excuse-moi, monsieur le camion. Je lui ai proposé une autre solution, et il m'a dit qu'il allait la traiter au retour des vacances de Noël, donc ils étaient en train de... d'en discuter. Donc voilà un petit peu pour, si vous voulez savoir où ça en est. J'espère que vous avez passé tous et toutes de très bonnes fêtes. En plus, j'ai passé un arrêt trop tôt, je crois. J'ai passé un arrêt trop tôt, mais bon, c'est pas bien grave. Hop. Nickel. En tout cas, il se conduit très très bien, le C-Train. Il est très agréable, etc. Franchement, je vous le recommande. Par contre, si vous voulez l'installer, il faut l'installer directement dans le dossier du facelift. Voilà, et c'est pas un dossier à part, si vous voulez, il faut l'installer dans le dossier du facelift, sinon ça ne marchera pas. Tout simplement. Hop. Donc là, il n'y a pas grand monde, hein, franchement, sur la ligne. Je pense qu'on rattrape au fur et à mesure notre retard, puisqu'on s'arrête pas aux arrêts. Prochain arrêt, Danone Research. Voilà, donc là, elle s'est resynchronisée, Danone Research. Hop. En termes de retard, on a toujours une petite minute, bon, nickel. Parfait. Alors, savoir que la 9106A va aussi à Cormeilgar. On l'avait déjà fait en Man NL263U, je crois. Je crois que c'était son nom, si je dis pas de conneries. On l'avait déjà fait avec ce bus, mais elle est quand même un petit peu plus courte. Elle fait 40 minutes, je crois, la A. Alors que là, la B, par contre, directement, c'est 52 minutes de ligne, quoi. Du coup, là, vous savez que vous êtes parti pour une longue vidéo, mesdames et messieurs. Hop. Ah merde, j'ai un peu trop avancé le rétro là, la barrière s'est prise dans le rétro. C'est vrai que j'ai l'habitude sur certains bus d'avoir le rétro à droite et non pas en espèce de... ouais, comment on peut appeler ça, de... à l'avant quoi, si vous voulez. Je sais pas comment on appelle ce type de rétro. J'avais vu le nom passer mais je l'ai plus là. J'ai plus, mais vous voyez, c'est des rétros de car quoi, concrètement parlant en fait. Et du coup, c'est vrai que ça avance un petit peu le bus, donc faut faire gaffe. Nickel. On peut prendre une petite photo comme ça, non? Petite photo. Est-ce qu'on met les feux? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, par contre, il y a juste un petit défaut qu'on peut lui reprocher à ce Cetra et que j'ai vu la dernière fois. C'est que les pleins feux marchent, vous voyez. Enfin, ça marche bien en tout cas au niveau des feux de route. Mais par contre, si on va en extérieur, on voit pas la différence. Là, je fais des appels de feu.
on les voit pas, vous voyez, sur à l'avant. Donc c'est le seul défaut que j'ai trouvé au bus, quoi. Ouais, bah, y a personne ici à Danone Research. On va repasser l'arrêt. Hop, nickel. Ah oui, non, faut attendre qu'il repasse. Du coup, c'est un petit peu plus galère par contre à gérer. Vu qu'on peut pas passer les arrêts, on peut pas sauter un arrêt, puisque comme je l'ai dit, il y a deux annonces par arrêt. C'est un petit peu plus compliqué à gérer, honnêtement. Mais on se prend tous les feux rouges par contre, c'est incroyable. Hop, c'est bon, let's go. Je regarde quand même s'il n'y a pas des piétons. Mais d'un autre côté, vu qu'on est samedi, voilà, il y a quand même beaucoup moins de trafic, beaucoup moins de gens. Là, on a 2-3 pecnos dans le bus, mais bon, ça fait du bien parce qu'en fait, Express, c'est un peu tout ou rien, quoi. C'est soit tout, vous avez masse monde dans le bus, etc. C'est totalement Bagdad. Ou alors, soit vous avez 2-3 passagers parce que vous n'êtes pas dans le bon sens des flux, comment on appelle ça, des pendules, si vous voulez, journalières, quoi, des pendules quotidiennes, des migrations. Pendulaire, on appelle ça, voilà. Donc soit vous n'êtes pas dans le bon sens, du coup vous n'avez personne, ou alors sinon vous avez masse monde parce que vous êtes en pleine heure de pointe. Donc c'est un peu tout ou rien, quoi, à ce niveau là on va refaire la même erreur avec la barrière. Nickel. Ah bah vous voyez, là je pense que j'ai foutu le rétro dedans. Ah non, ouais, je sais pas, je l'avais peut-être mis ça a peut-être tapé légèrement. Nickel, et bien parfait. Donc du coup on passe par pas mal d'arrêts, hein, comme vous pouvez le voir en haut. Mais bon, des arrêts qui sont quand même relativement espacés. En tout cas, j'ai hâte franchement que le souci avec la TZD donc soit traité. Ce serait cool que ça reparte pour début 2018, parce que j'ai tellement de trucs à vous montrer pour la TZD, etc. Ça va être énorme. Ça va être énorme. À savoir que ce CETRA, c'est prévu qu'on le mette dans la TZD. Hein. C'est prévu qu'on le mette, et en fin de vidéo, mesdames et messieurs, vous aurez une petite surprise. Voilà, puisqu'il y a Guillaume qui a commencé le repaint sur le CETRA et il lui va comme un gant. Donc bon, c'est bien cool. C'est bien cool, c'est bien cool. Hop. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Hop, bonjour. École nationale supérieure des techniques avancées Moulon Sud. C'est bien, École nationale supérieure des techniques avancées Moulon Sud. C'est bien ça. Hop. On peut y aller. Ah, et c'est la collègue toujours qui est derrière? Ah, c'est elle, 91-10. Ouais. C'est bien elle. Bah, elle nous suit depuis tout à l'heure et elle a le même itinéraire que nous. Hop. Let's go. Allez, c'est reparti. Alors, est-ce qu'on va prendre un petit peu d'autoroute? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Pour la prochaine vidéo sur... sur Express, on essaiera de se faire un petit HLP. Tout simplement, un petit HLP, ça mange pas de pain, ça peut être bien sympa. Parce que c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc HLP, pour ceux qui savent pas, c'est Wallpied, c'est tout simplement un retour dépôt ou une prise de service, mais en tout cas depuis le dépôt. En gros, c'est un voyage sans passager. Allez, je peux y aller ou pas? Non. Oh, on se prend vraiment tous les feux par contre, hein. Les feux de circulation, ça marche beaucoup moins bien en heure creuse qu'en heure de pointe, hein. Je tiens à le dire, laisse tomber, quoi. En heure creuse, ça te fait pas passer du tout, alors qu'en heure de pointe, ça y va, quoi. Hop. Y a personne en plus ici, je crois. Non, y a personne. Allez. Let's go. Bah du coup, en fait, tout simplement, si vous voulez aller à Corbeil-Bigard, vous avez quand même plus intérêt à prendre la 8106A, puisque vous gagnez à peu près 10 minutes par rapport à la 8106B, là, qui fait vraiment tout le tour du délire. Hop. En tout cas, je remercie quand même les personnes qui m'ont aidé à débug la girouette, hein, pour le Mana 21. Ça marche maintenant, j'ai supprimé mon ancien dossier, je crois que c'est Bubtbus qui m'avait annoncé... la manip, mais vous êtes d'autres aussi à m'avoir orienté, donc merci à vous, c'est très sympathique. Ici c'est censé être une priorité à droite en théorie, je pense bien. On s'engage. Hop.
Mais en tout cas, l'itinéraire comprend là, comporte énormément de petites parcelles plus ou moins privées avec des barrières comme ceci. C'est un itinéraire qui est pris par la 8106C, je crois. Je crois bien qu'il y a la 8106C qui passe ici. Attendez, on va juste vérifier. En plus, il y a le petit panneau et tout. Oh là là, c'est stylé quand même. Hein. C'est bien stylé. Alors, c'est la C ou la D? Ah, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué. Et lui, il marque D. Ouais, il marque B. Et j'aimerais quand même regarder un truc là. Si quand on part, est-ce qu'il affiche 91 10? Est-ce qu'il affiche le bus du collègue? Tu permets, je t'embête deux petites secondes, j'ai un petit détail à regarder. Oups, pas en dessous, ça ira plus par ici. Ouais, non, il l'affiche pas. Il l'affiche pas. Peut-être que ça affiche que tout simplement les bus qui sont conduits par nous-mêmes, et peut-être que ça affiche pas les bus AI. Ou alors c'est parce que j'étais encore dans la zone. On va essayer de re-regarder là. Ce niveau là, parce que je suis quand même plutôt curieux en fait. C'est des petits détails comme ça sur la map qui sont quand même vachement sympas. Non, il me capte encore en 8106B. Je vais m'en aller. Hop, je viens de manger le rond-point. Et on va se recaler là, puis s'il affiche pas, tant pis. Mais je suis quand même plutôt curieux de savoir ce que ça donne. Hop. Boum 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 boum. Bon. Bonjour, c'est là l'arrêt. Ok, non, il affiche lui, il affiche que la 8106B et il dit que voilà, attente en minute 27. Ok. Ok, ok, bah comme ça on a vu ce que ça donnait, mesdames et messieurs. What, il me fait quoi? Voilà, nickel. On a vu ce que ça donnait. Oh là là, en tout cas le bus est propre. Et elle a un petit facelift, donc avec la nouvelle livrée Île-de-France Mobilité. La map est quand même vachement propre hein, en termes de skin, etc. Il y a plein de trucs qui sont vraiment excellents sur Express, hein. Réellement. Ouais, tu le dis un peu après ton arrêt quand même. Hein. Tu le dis un peu après, cocotte. On se réveille un peu après la guerre. Hop. Puis bon, je me permets de regarder ça parce que bon, là, vu qu'on n'a pas de passagers, on devrait pas trop avoir de soucis, j'ai envie de vous dire. Hop. Allez, Orne des Merisiers, faut repasser l'arrêt. Prochain arrêt, ah. Orne des Merisiers. Correspondance avec la ligne. Arrêt, c'est bon. Orne des Merisiers. Ligne 8106B, direction. Elle est ouverte n'importe là? Non. Oups. Excusez-moi madame, excusez-moi. Ah non, c'était monsieur. C'était monsieur. Hop, ah là par contre, regardez. Là on a un autre panneau. Et là ouais, oh, c'est stylé hein. Ils sont franchement hyper stylés les panneaux et tout qui annoncent l'arrivée des bus. C'est nice. Et du coup on peut voir que bah 27 minutes encore pour le prochain bus, donc c'est une fréquence d'à peu près une demi-heure quoi. En tout cas le week-end. Allez, par contre là faut y aller s'il vous plaît les feux là. Oh là là, mais ils sont tellement lents, c'est pas possible. C'est pas possible. Yep. De toute façon, comme je vous dis, on va avoir le temps de rattraper le retard. Hein. Largement le time. Déjà avec les arrêts qui sont pas desservis parce qu'il y a personne qui descend ni monte. Donc déjà, ça va nous faire gagner du temps. Et puis si on accélère aussi... il a pas mal de patates en plus, le C-train. Donc c'est plutôt cool là-dessus, quoi. Hop, c'est bon, let's go. Hop. On va passer l'arrêt, comme ça ce sera fait. Nickel. Allez, dis-moi qu'il y a personne qui monte. Pas l'impression. Non. Allez, le petit point d'exclamation bleu. Oh là là.
Ils en mettent du temps. Ils en mettent du temps. Hop. Nickel. Bon allez, on est redescendu déjà à une minute de retard. Hein, donc, franchement, tranquille. Hop, pas de problème. Alors là, c'est un itinéraire qui est emprunté par pas mal de lignes, j'ai l'impression. La B, ok, non, juste la B et la C. Très bien, le petit orange des familles. Ah oui, et là, c'est le fameux panneau avec lequel j'avais pris ma miniature de la vidéo 1000 abonnés. Tout simplement. Oh là, ça remonte. Ouais, et j'avais pris une... Vous savez quoi ? Ça remonte tellement qu'on va la reprendre aussi. On va reprendre cette photo, mesdames et messieurs. Voilà. Et j'avais pris une photo comme ça parce que j'avais trouvé le tag sur le panneau vachement stylé, quoi. Voilà, voilà. On va se faire censurer sur YouTube. Caractère grossier. Hop. Caractère incitant à la haine. Exactement. Ouais, il a pas mal de reprises, on ne sait pas. Il a pas mal de reprises, c'est cool. Par contre, je sais pas pourquoi on a plus de musique là depuis un petit bout de temps. Je sais pas ce qui s'est passé, on reviendra au prochain arrêt auquel on s'arrête. Autant vous dire que c'est pas tout de suite. Hop. Ah si, on a de la musique en fait, c'est juste qu'elle est pas très forte. Hop, voilà. Alors, tout droit, tout droit, tout droit, ok. On va même mettre le petit clignot à gauche. Hop. Parfait. Clignot à droite. Nickel. En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo quand même sur Railway Empire que je vous avais fait. Parce que moi, franchement, j'étais hyper content de vous faire une vidéo là-dessus. C'est vraiment un jeu que je trouvais au final très intéressant et... J'aime beaucoup les jeux de gestion aussi, et puis là ça mélangeait gestion, création, contexte historique, train, etc. Donc du coup voilà, j'avais trouvé ça très très cool à faire quoi. Et j'espère que vous aussi vous avez apprécié. Hop. Alors, du monde ou personne? Non, personne. Passer l'arrêt. Nickel. Toujours derrière le collègue ou... Non, je crois que c'était plus sur son itinéraire. Ou alors on la se met. C'est possible aussi qu'on la se met. Prochain arrêt, Mare du Vivier, CE porte 312. Correspondance avec la ligne 91-10. Alors, que se passe-t-il ici? Pourquoi ça tourne? Ah oui, si j'ai un feu. On va faire gaffe. Ah, c'est bon, là on va passer, nickel. Merci, ça y est. La technologie reprend le dessus. On perd pas de temps, maintenant on a les carrefours rien qu'à nous. C'est good. On a combien de retard là? Une 5? Bon ça va. Une 5, tranquille. Hop. Alors là on arrive sur une intersection qui est un peu plus complexe. On va ralentir parce que cette fois-ci on aura peut-être pas le feu. Ah si, si si, nickel. On nous fait passer. Parfait. Oula, j'ai cru qu'elle y allait, j'ai peur. C'est bon, merci les gars. Ah, on a quelqu'un ou non? Non, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, on va repasser l'arrêt du coup. Personne. Nickel. Allez, c'est parti, décollage. Décollage à fond sur la pédale. Les passagers, ça roule? Ouais, ça roule. Même à l'intérieur, il y a écrit c'est nice, ligne 11, collège Jean Massé. Ça, c'est le prochain arrêt. Ouais, bah ça roule, hein. Ça roule à l'intérieur, tout se passe bien. Mais tant mieux. Ah, quelqu'un qui voudra descendre. On va passer l'arrêt avant, puisqu'on est en ligne droite, ce sera fait. Hop. On n'est pas à Plateau du Moulon là? Ah, si. On est à Plateau du Moulon, mais on s'arrête ici ou pas? La baie Cormeilles-Gare à gauche.
Alors, dis-moi tout, Cormeigar, gauche. Et après, faudra repasser à droite, je crois. Alors. Pourquoi ça a prise là, comme si. Alors, en attendant, on va réfléchir. 306, D, B. B, Cormeigar, non, c'est à gauche. Là, j'ai fait un tour pour rien déjà. On s'arrête à Plateau du Moulon au moins. Ah bah c'est ça, non? Oui, c'est ça. En fait, j'avais pas vu l'arrêt. C'est celui-ci. Oui, A, B, C, D, vers Massigar, vers Cormeigar. Ok, c'est ça. Hop. Voilà, Plateau du Moulon. Et pourquoi il mettait collège aussi, lui? Mais pourquoi il m'affichait collège machin? C'est le prochain arrêt, collège? Pourquoi il m'affichait collège bizarre là? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, collègue, t'abuses là. C'est elle ou pas? Je crois que c'est. Ouais, c'est la 91-10, c'est la collègue qui nous a rattrapé. Salut! Ça va, Josiane? Tranquille? Le klaxon est stylé en plus sur le C3. Le klaxon est stylé. Et hop, là, donc elle fait sa pause et moi je repars par là. Ah, on va laisser passer Joséphine. Josiane et Joséphine. C'est stylé. Hop. J'ai bien fait de mettre la nouvelle AI parce que c'est quand même bien plus classe. Hein. Hop. On va pouvoir y aller. Parfait, j'ai pris vachement large. Oh là, waouh! Oh! Mais. Elle est tarée, Joséphine. Hein. Oh là là, Joséphine. Ouais. Heureusement qu'elle a un bon ange gardien. Hein, parce que sinon. Ouais, c'est de la merde, mon plaque. C'est de la merde. J'arrête tout de suite. J'arrête tout de suite. Vas-y, allez, c'est bon, Cormeigar, c'est par là. Allez, let's go. Hop. Nickel, file. C'est parce qu'en fait, on n'a pas le droit directement de tourner à gauche. Ici, il y a une ligne continue, donc ils vont faire le tour du rond-point. Là, on a perdu un peu de temps, je pense. Oh, ça va, une minute. Ça va, ça va. Mais Joséphine est totalement tarée. Autant Josiane, elle roule tranquille et tout, elle fait sa pause, elle est clean. Mais alors, Joséphine, laissez tomber, quoi. Laissez tomber. Ah, on est bridé à combien? 85. Ok, bon, on va se mettre à 80 tranquille, ce sera pas mal déjà. Yep. Nickel. Petit C13 415 NF qui coule dans le vent. La girouette alternative est tellement belle par contre. Yep. On va à gauche au bout. Et puis même les feux, vous voyez, à l'avant sont plutôt bien réussis parce que c'est des feux LED, les clignotants. Et je les trouve plutôt bien réussis, quoi. Même l'arrière et tout. C'est plutôt classe. J'aime bien. Avec les feux, là. Attendez, je suis en train d'activer les feux, c'est pour ça que ça lag. Putain, même si, franchement, c'est de pire en pire. Hein. Moi, je vous le dis, mesdames et messieurs, c'est de pire en pire, ce jeu. Il est totalement défoncé. Incroyable. Ah. Homecy 2. Putain, on a perdu Homecy 2, c'est pas possible. S'il te plaît. Le crash du jeu. Non. Moi, je refuse de croire à un crash. Je refuse formellement. Homecy 2, tu as toujours su te reprendre quand il fallait. Même dans les moments les plus difficiles. Mais je pense que là c'est mort. Non, Homecy. Bon. Bah mesdames et messieurs, on va se retrouver dans quelques instants puisque bah le jeu ne veut pas. Voilà. Le jeu ne veut pas, ça arrive. Mais ça arrive quand même plutôt souvent en ce moment. Hein. Déjà sur Airport c'était un peu la galère. Là pareil, ils nous refait le coup. C'est pas évident, enfin bon, à tout de suite.
Le retour de Homsi, mesdames et messieurs, du coup je vous disais qu'il était plutôt bien modélisé, etc. Donc c'était vraiment agréable de rouler avec. Alors ma clim, elle s'est bien remise. On est... Ah ouais, il fait 29 degrés dans le bus, putain. Il fait chaud. Arrête, arrête-moi ça. Hop. Voilà. Nickel. Et donc je vous disais que le bus était vachement bien modélisé, donc c'était cool. Là on repart, bon, on repart tout simplement, mais bon. On n'a plus de passagers et entre temps on s'est transformé en femme. Voilà, on a changé de genre. Wow. ça tangue. Le Cetra tangue. Hop. En termes de retard, etc. Du coup, on en est à 0,5. Ouais, bon. Ça va, tranquille. Hop, donc prochain arrêt, Croix-Pasquier. Du coup, mesdames et messieurs. Hop, donc là on passe dans la petite ville. De je sais pas quoi, je sais pas où on est ici, je ne sais pas. Bon, ça m'étonnerait qu'on soit voilant, quoique je sais pas, on va voir. En tout cas on est dans le 9-1, mais bon, hein, ça vous l'avez certainement remarqué, la petite plaque 9-1. Voilà, alors par contre le skin là a une erreur, c'est que le numéro de parc du véhicule est marqué là où il y a la plaque. Donc c'est une petite bullette. Hop, il y a un monsieur, bah super. Hop, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour, bienvenue. Hop. Nickel. Je crois en fait qu'on est à volant, mesdames et messieurs. Je crois bien qu'on y est. Ouais, j'aurais dû le pousser plus loin. On était sur le trottoir. J'aurais dû le pousser un petit peu plus loin. Enfin, bon, pas bien grave. Prochain arrêt, place du... Prochain arrêt, place du village. Hop. On va voir où on est. Je sais pas où on est, en fait. Ah oui, là, il va falloir tourner. J'ai pris vachement large. Alors, on est dans quelle commune? On va regarder ça. Hop. Cormeigar. Il n'y a pas marqué où on est. Non. Il n'y a pas marqué le village. Mais ça, c'est peut-être ce qui manque. Parce que, pareil, sur la route, il n'y a pas. Il n'y a aucun panneau avec marqué le nom de la ville. C'est un petit peu dommage là-dessus. Ça m'étonnerait qu'on soit toujours à Massy après une demi-heure de route. Mais je sais pas où on est ici. Je ne sais pas. Bon, le petit stop à moitié grillé, mais bon. On ne dira rien. Bah eux aussi. Eux ils l'ont mangé le stop. Pire que moi. Allez. Let's go. On a un peu de retard à rattraper. Un petit peu de kickdown. C'est parti. Alors, par contre, on va faire gaffe parce que dans ce coin-là, de mémoire, il y a pas mal de petits virages assez tendus. On va pas falloir rouler non plus trop vite. C'est bien ce que je me disais, les virages sont assez chauds dans ce coin-là. Hop. Il faudrait pas brusquer nos passagers, hein, ce serait bête quand même. On les adore tellement, nos petits passagers. Surtout qu'on en a que deux, alors si on perd les deux seuls passagers qu'on a, c'est un peu la loose, quoi. Allez hop, let's go. Nickel. J'ai pas pris très large, mais bon, d'un autre côté il n'y avait pas trop, on a roulé un peu dans la terre, mais c'est pas bien grave. Il n'y a pas trop de différence de niveau. Bon, on va accélérer quand même un peu là parce que bon, on se traîne un peu, je trouve. Hop. Voilà, ça roule un peu mieux déjà. Ça roule un poil mieux. Hop, là par contre, rond-point. Où que c'est?
Où c'est? Ah oui, c'est à gauche. Là, on va s'arrêter au niveau de la petite cabane, là. Hop. Ça, c'est l'arrêt du trou des fesses du monde. Autant vous dire que... il n'y a jamais personne. Noisy le baracle. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue dans le bus en direction de Cormegar. Vous êtes bien à Noisy le baracle. Ah non, ça par contre c'est bien ça, parce qu'on a une vue de notre angle mort. Une vue à travers la fenêtre, donc ça c'est cool. Ah bah c'est par là le dépôt. C'est à gauche. Bah à gauche mais. Ah oui, non, oui, ok, c'est à gauche, un petit peu plus loin. Parce que je me disais, quoi, c'est dans la maison le dépôt là, que se passe-t-il? Y'a un problème, chef. Yep. Ah, là y'a le fameux stop que personne ne respecte. Mais que je vais respecter, parce que je suis un très bon chauffeur. Alors respecter à moitié puisque je suis juste après le marquage au sol, mais bon, c'est mieux que rien, hein. On peut pas tout avoir dans la vie non plus. Hop. Petit ralentisseur. Ça va, il est tranquille celui-là. Celui-là est peut-être un petit peu plus sévère, ouais. Il est un peu plus haut celui-là. Bonjour madame. Fauvette, bonjour. Hop. Bonjour. Par contre, j'ai l'impression que mes portes avant se ferment hyper lentement. Mais genre vraiment, vous savez quoi, on va condamner celle de gauche. Ce sera peut-être un petit peu plus rapide. Hop. Allez, let's go. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une petite annonce vocale qui me dise arrivée prévue dans... de temps, parce que là je sais pas trop où est-ce qu'on en est. Je pense qu'on a fait les deux tiers du trajet. Yep. Parce que là on s'approche vraiment de Cormeil. Yep. Attention au camion. Vas-y, je te laisse passer, copain. Me dis pas merci. Hop. Parfait. Hop. Let's go. Enfin, let's go, ouais. Vraiment, dans ce coin-là, du côté de Cormeil, il y a vraiment plein de petits virages de partout qui sont pas en plus forcément annoncés. Genre, là, le virage est quand même très serré en face. Il est pas du tout annoncé en tant que virage dangereux avec des panneaux bleus. C'est un petit peu étrange, quoi. Parfait. Nickel. Et là, on va redescendre directement sur la ville. Alors, faut ralentir parce qu'il y a une intersection qui est assez méchante. Et je crois qu'il y a un arrêt juste à droite. En plus, donc on va pas y aller trop vite. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Voilà, il y a un petit arrêt qui est juste ici. Mais bon, il n'y a personne. On va le passer du coup. Hop. Nickel. Alors, par contre, j'ai un petit voyant jaune qui s'est allumé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Peut-être surchauffe moteur, je sais pas. Ouais, je pense que le moteur là il a un peu chaud. Je pense que c'est ça. Peut-être bien, c'est fort probable. Hein. Ah, alors que là on a un Manion City à 21. De chez Mobicaps qu'on a utilisé la dernière fois. Yeah. Salut, il est à volant lui. C'est celui, c'est exactement le même qu'on avait utilisé la dernière fois, mesdames et messieurs, dans notre dernière vidéo sur Express, tout simplement. Allez, trace un peu, ce serait cool qu'on arrive à l'heure quand même. Là, on a plus de retard en fait. On n'a plus de retard du tout, donc nickel. Tout se passe très bien. Par contre, il roule pas devant, c'est moi là. Est-ce qu'on se tenterait pas un petit dépassement?
Ouais, c'est un peu fou quand même. Hein. C'est un peu fou, mais vous savez que la folie, ça me plaît. La folie, ça me plaît, donc bon. Allons-y, soyons fous. Le bus à l'heure qui double à je sais pas combien de kilomètres heure des véhicules. Il est taré, chauffeur. Il est taré. Tout ça pour tourner à gauche et s'arrêter au feu en plus. C'est honteux. C'est clairement honteux, mesdames et messieurs. Bah bravo. En plus j'ai ralenti trop tard. Je vois à peine mon feu. Hop. Ah si, du coup j'aurais gagné le droit de les embêter parce que eux ils vont tout droit et ils ont pas le feu. Allez, c'est bon ou pas bon? Non, c'est pas bon. Je crois qu'il fait passer eux mais il n'y a personne. Je regarde un peu parce que je sais pas si on a l'angle, mais je pense que si. Je pense qu'on a l'angle pour voir le feu, donc ça devrait être bon. Ah ouais, non, on n'avait pas l'angle. On était pile poil là où fallait pas. Hop. Ça m'apprendra hein, à ne pas freiner assez. Hop. Et du coup, prochain arrêt. Juste là. Hop. De toute façon, là, je pense qu'on a fini dans à peu près une dizaine de minutes notre ligne. Il y a quelqu'un, c'est pour moi ça ou pas? Hop. Bonjour madame. Nickel. Ah, un ticket, pas de souci. Avec plaisir. Hop, plein tarif celui-là. Plein tarif. Voici. Allez, bon voyage. Let's go. Let's go. On est presque arrivé, mesdames et messieurs, à Cormeilles-Gare. Dans... Bah, tout simplement, dans très peu de temps. Voilà, j'avais oublié de passer, excuse-moi. Hop. Oula, bah, c'est un peu serré, là, quand même, pour passer. C'est un petit peu serré, oui. Il y a un petit peu de défi. Il a mangé tout type de respect, lui. Mais genre, vraiment... Genre le respect, il l'a pris, il l'a mangé, retourné, dégusté, tout ce que vous voulez. J'étais engagé. Il était censé me laisser passer, là, j'étais engagé. Oh là là. Franchement, aucun respect ces chauffeurs. Hein. Aucun respect. Tous des chauffeurs, de toute façon. Tous des chauffeurs. Hop. Alors là aussi il y a pas mal de petits terre-plein etc. pour casser la vitesse, c'est un peu casse-couille. Hop. Nickel. Oh, il y a tellement de ralentisseurs et de petits terre-plein centraux dans ce coin là. Les suspensions elles bouffent hein, je peux vous le dire. Là les suspensions elles sont en train de déguster. Allez, let's go. On est bientôt arrivé, je crois, vraiment. Ouais, Jean Massé. Bon, il y a encore 2-3 arrêts. Et puis, on y sera. Il y a un arrêt qui s'appelle Rond-Point. Ok. Très bien. Nous apprécions l'imagination de la chose. Hop. Les ronds-points sont quand même assez serrés à prendre. Ça reste quand même assez serré. Après, dans ce coin-là, il n'y a que des solos qui passent. Hein. Il n'y a que des 12 mètres. Il n'y a aucun 18 mètres dans ce coin-là. Les 18 mètres, c'est sur la C et la D. La 11 AB ne prennent que des 12 mètres. Mais les ronds-points sont quand même néanmoins assez tendus à choper quand même. Hop. Alors, à droite. Ouais, c'est ça. Alors, à droite, un petit peu plus tard. C'est marrant là-dedans, j'ai pas l'impression d'y être déjà passé. Ça me dit rien ce coin-là. Oh, petite priorité à droite. Hop, heureusement, il y a personne. Nickel, mais là on est vraiment dans un coin plutôt sympathique, mesdames et messieurs.
Hop, pris 2-3 photos. Et là, à gauche. Très bien. Hop, attention. Oh, camion. Ah, mais si, je connais par ici. Si, si, je me souviens. Hop, Jules Verne. Hop. Nickel. Allez, on est presque à... Oh, pardon, excusez-moi, madame. Bonjour, je ne vous avais pas vu. Putain, ma porte met tellement de temps. Bonjour, madame. Hop. Oula. Mais ouais, non, mais... Ok, ça s'est bugué. À Staré, il y a des soucis de chemin avec les piétons. On l'avait déjà. J'ai cru qu'il allait me rentrer dedans. On l'avait déjà remarqué la dernière fois. Il y a des petits soucis avec, avec les piétons dans ce coin-là. Hop. Allez, tout droit. Let's go. Prendre à droite. Rond-point de Châteaufort. Alors ça, c'est un arrêt qu'on n'a jamais desservi, si je me souviens bien. Ça me dit rien du tout, rond-point de Châteaufort. Et on est dans un coin ici qui est, ma foi, hyper sympathique. On est vraiment là dans un coin très cool. J'aime beaucoup. Ah, c'est stylé, hein. C'est stylé. Franchement, la girouette alternative, je kiffe tellement. C'est tellement propre. Hop, on va remettre notre petit affichage. Hey, let's go, là. On est à l'heure, en plus. On est à l'heure, les gars. 0-0. Donc, tout est good. Ah, par contre, j'ai l'impression qu'on... Vu que j'ai relancé mon jeu, le... Tout simplement, l'Ibis s'est planté, là. Vous voyez, il me dit qu'il faut arriver à 0-0 en termes d'heures sur les arrêts. Donc, c'est planté. Ah. Là, on va essayer de pas taper le terre-plein central. Hop, on devrait pouvoir y arriver normalement. Ouais, non, on peut pas ne pas rouler dessus à ce coin-là. Ouais, sur ce coin-là, c'est impossible de pas rouler dessus. Hop. Allez, let's go. En tout cas, il y a quelques petits piétons quand même de ce côté-ci, c'est cool. Oh putain, désolé, excusez-moi, j'ai pas du tout vu le ralentisseur. Il était pas annoncé, hein. Je crois pas qu'il ait été annoncé, ou alors je l'ai pas vu. Possible que je l'ai pas vu aussi, mais... Là, ils ont sauté de leur siège, je crois, les passagers. Hop. Allez, let's go, petit parking ici. Mais ouais, non, là, ça me dit rien, ce coin-là. Ça ne me dit strictement rien. Je crois pas être déjà venu par là. En tout cas, je m'en souviens pas. Mais on a encore plein d'arrêts à faire, mais c'est pas possible. Les ronds-points, Geneviève, Aube, mais... Attends, on n'est pas rendu, hein. Là, on prend un chemin pour aller à Cormeilles-Gare, mais qui est totalement... isolé, quoi. En tout cas, un truc qu'on n'a jamais pris dans le jeu. Là, les arrêts qu'on va desservir, je me souviens pas les avoir déjà une seule fois desservis. Hein. Ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Ici c'est limité à 70 je crois sur cette route. Hop, on rattrape notre retard comme ça c'est tranquille. Nickel, bon en tout cas on aura bien utilisé ce Cetra S415 NF c'est ça? Ouais je crois que c'est NF. Il y a marqué ici, ouais NF, c'est bien ça, on l'aura bien utilisé ce petit Cetra. De notre côté il est vachement sympa quoi. Hop. Allez, la police, le clignotant, voilà. Hop. Merde, j'ai pris le bon chemin ou pas? Non, bah voilà, je l'ai raté. J'ai raté. Il y a un arrêt qui est sur le rond-point, après on le refait le tour du rond-point, je pense. Et ouais. J'ai raté l'arrêt. Pitié, que personne s'engage, s'il vous plaît. Le taxi, prend à gauche, fais pas le relou. Il va où? Il va chez moi, ok. Hop, pas de soucis. Merci monsieur le taxi de me laisser passer. Je suis un conducteur un petit peu imprudent, désolé. Hop. Allez, c'est bon. Merci monsieur. Hop. En plus, il y a du monde qui voulait descendre ici, alors... bonjour, quoi. Hop. Par contre, la dame, c'est pas pour nous. Hop. Ah bah, c'est justement là, l'arrêt rond-point.
rond-point de Châteaufort. Allez hop, c'est bon. Vas-y, tu veux y aller? Non? Ok. Eh bien, j'y vais. En tout cas, j'ai bien fait de regarder quand même. Il va pas me laisser passer, lui, hein. Je vous le dis direct. Voilà. Ça, c'est aussi, hein. Mais je le savais, c'est pour ça que j'ai pas forcé. En vrai, il y avait moyen de passer en accélérant un bon coup, mais c'était sûr qu'il allait pas me laisser passer. Voilà. Il y a quand même quelques petits soucis de priorité dans MC2. Et. Enfin, sur Express et dans MC2 plus généralement. Du coup, lui, il devrait goûter à la colère du chauffeur de bus, incessamment sous peu. Ouais, non, il roule bien. On n'arrivera pas à le dépasser. Au début, je me suis dit, on va le dépasser, mais non. Pas possible. Pas possible, pas possible. C'est 50 ici, mais bon, c'est pas grave. Hein. On est un chauffard ou on ne l'est pas, j'ai envie de vous dire. Surtout que là, on a quand même un petit peu de retard à rattraper. Ouais, on a encore plein d'arrêts. Jean Massé, Geneviève. Oh, bon, tout de suite, il y a un autre truc. Putain, décidément, la vidéo de 107 ans. Ah, un collègue. Salut. Lui, il a la vieille livrée intéressante sur les facelift. Il a la blanche, pas la grise. Donc moi j'ai la grise hein, par contre. Ouais voilà, moi j'ai la livrée grise, lui il avait la même en blanc, tout simplement. C'est l'ancienne je crois qui était posée sur les facelift. Et qui est aussi présente sur les Citaro. Donc ouais non je confirme ce coin là, j'y suis jamais allé. Hein. En tout cas ça me dit rien du tout. Ici dans la ligne droite on va pouvoir passer à l'arrêt tranquille. Hop. Du monde ou pas de monde? Pas de monde j'ai l'impression. Non. Personne, Jean Massé. Allez, on est arrivé, mais allez, on va jamais y arriver à Cormeilles-Gare. Hein. Moi, j'en vois pas le bout. Hein. J'en vois pas le bout. Putain, Jean Massé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arrêts encore. Et ça, c'est emprunté que par la A et la B. Et pourtant, quand on a fait la A, je me souviens pas être passé par là. Hein. Je ne me souviens pas du tout être passé par ce coin-ci avec le Man. Non, ça me dit rien. Hein. Ça me dit rien. Étrange. Mais là, normalement, en plus, on devrait y aller. Là, s'il te plaît, t'as mis le feu vert en face. Tu peux me le mettre pour moi aussi. Ce serait cool. Oh là. On n'est pas arrivé. Hein. Moi, je vous le dis, on n'est pas arrivé, mesdames et messieurs. C'est l'une des plus longues vidéos sur MC2. Qui n'est pas une rediffusion de live. Hein. Je tiens à le dire. Oh là. Le type, il force tellement le passage. Ils veulent pas me laisser passer en plus, hein. Putain, et 2 minutes 5 de retard à cause de cette connerie. On aurait dû le griller, ce feu. Non, mais c'est sûr, on aurait dû le griller. Regardez, là, le temps qui nous prend, là, mais... Pourquoi c'est... Mais attendez, là, il y a un problème. Cherchez l'explication, là, je... Je sers ne pas... Agora, s'il te plaît, fais quelque chose pour ce carrefour. Fais quelque chose pour ce carrefour, car là, c'est pas possible. Attention, départ en trompe du CETRA dans quelques instants. Mais il veut pas que j'y aille, hein. Allez, c'est parti. Ouais. Bon, l'accélération est pas trop mal, mais bon. Ça pourrait être mieux quand même, hein. Ça pourrait être mieux. Attends, merci, 2 minutes de retard. À cause de ce feu, là. Bon, on fait un pacte, la personne descend jusqu'à Cormeilles-Gare. Ok, comme ça on est à l'heure. Personne monte non plus. Hop. Et en plus on est bridé à 85. Bon, c'est déjà pas mal 85. Surtout qu'on a une petite pastille 70 à l'arrière. Donc autant vous dire que là la pastille, pareil, elle n'existe pas. Je l'ai barré en fait. Je l'ai barré au pic. Oh non, pas encore un feu, s'il te plaît. Vert. Non. Oh mais en fait c'est l'horreur dans ce coin là. C'est totalement l'horreur. Prochain arrêt, Geneviève Aubé. Hop, on va passer l'arrêt pour Geneviève Aubé, comme ça ce sera fait. Putain, mais ouais, mais c'est vraiment l'horreur par ici. Et ils nous bloquent toute la circulation de tout le bazar. Je sais pas comment ils fonctionnent ces feux-là. Mais en fait, c'est un par un. Donc lui, c'est à lui. Et après, je pense que c'est à eux. Et nous, on passera que après. Ah, c'est bon. Voilà. Et lui, en face, il est bloqué. C'est incroyable. C'est nul. Nul de chez nul, là. Autant les sites propres, c'est nickel. Mais alors ça, non. Je
valide pas du tout. Ça nous fait perdre du temps, ça fait des bouchons. Regarde, on est samedi, il est censé avoir personne, il est 12h et des brouettes, là on se retrouve avec masse monde. Ça ne va pas du tout. Par contre, tu permets, moi je suis un peu pressé. Alors, j'espère qu'il n'y a personne qui va changer de voie, sinon on va se retrouver à 30 km/h. Je vais devoir piler, ça va me faire tout drôle. Ici personne, non personne, let's go, non on trace, il y a personne, tant pis pour eux. Hop, allez. Ah bah tu passes à gauche, bah pas de soucis, allez. Hop. Désolé mais bon là tant pis hein. tant pis on n'a pas le time. Cormeil Sud après division Leclerc. Ah mais ici en fait on est vraiment sur une grosse route. Ouais, en fait, avec des arrêts hyper espacés, des routes bien larges. Limité à 70, cette petite section. Ok, c'est marrant. Très bien. Je sais pas si vous vous souvenez de ce passage, parce qu'apparemment, on l'a pris quand on faisait la 8106A, mais moi, ça me dit rien du tout. Après, c'est vrai que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on l'a prise, la 8106A, enfin, qu'on l'a faite. Mais moi, ça me dit rien. Moi, ça me dit rien. Ça va être à droite. Ah nickel, on a un site propre. Allez, let's go. Hop. Parfait, donc prochain arrêt, on a dit quoi? C'est avenue Cormeil Sud. Très bien, donc on arrive à Cormeil. Allez, dis-moi que mon feu il est ok. S'il te plaît. Alors. Ça a l'air d'être ok, rien du tout. Ouais, non, c'est arrête-toi, Coco, comme tout le monde. Oh là là. Ah, c'est bon. Yep. Let's go. On va le passer, l'arrêt. T'as 2 minutes 5 de retard, hein, quand même. Heureusement qu'il y a personne. Et ça, c'est les feux, ça. C'est à cause des feux, mesdames et messieurs. Parce que sinon, on était nickel. Hein. On était vraiment nickel, quoi. Pareil, là, le feu bus, il nous le met rouge. Oh là là, on n'est pas aidé. Hein. On n'est vraiment pas aidé. Et en plus, il fait passer les autres. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît, on va reprendre une petite photo de l'arrière encore. Je vraiment fan de ces tracks, quoi. Après, je pense que je préfère quand même l'avant que l'arrière. Je trouve l'avant plus réussi avec les petits feux LED et tout qui sont vachement bien faits. Même si l'arrière a quand même son petit style, je trouve. Il a son charme, quoi. Putain, mais il le fait jamais passer, le Phoebus, ou... C'est déprimant. C'est déprimant, mesdames et messieurs. Moi qui me suis dit, on va prendre une petite ligne, samedi, il y aura pas trop de monde, on serait à l'heure. Mais laissez tomber, en fait, avec Express, vous ne serez jamais à l'heure. Voilà, c'est pas possible. Parce que même quand il n'y a pas de trafic, même quand il n'y a pas de passagers, voilà, il y a 3 minutes de retard à cause des feux. Je me suis dit qu'on allait faire une ligne parfaite et tout, mais... Rien du tout, va mourir. Attends, peut-être que je me remette ça. Voilà. Ici, il n'y a personne. Ah ouais, j'ai oublié de le passer, forcément. Hop, c'est quoi? Tant pis pour les arrêts, là. On va essayer d'en passer deux maintenant. Voilà, c'est bon, nickel. Ah oui, du coup, arrêt les gobelins, ce sera pour le prochain. Après les gobelins, on est arrivé, rassure-moi. Ouais, après il y a Dôme, mais je crois qu'on est arrivé. Yep. Putain, on trace tellement en vrai. Ah, ça y est, je rattrape un poil le retard. Ah là là, et on se tape aussi feu rouge ici, mais c'est pas possible. Mais tuez-nous, mesdames et messieurs, tuez-nous. Hop. Puis il va pas passer au vert entre temps, non? Oh là là, maudissez-nous,
Maudit c'est nous. Et l'autre il trace, il roule à combien lui? Sans pression. Genre vraiment sans pression. Oh putain, mais ça lag par ici aussi. Ça lag pas mal. Après ça dépend de où je regarde aussi. Hein. Alors est-ce qu'il y a du monde à l'arrêt? Déjà on va visualiser. Personne en vue. Les gobelins. Eh, hey, on a toutes les lignes qui vont à la gare routière. Donc là ils sont plutôt tranquilles. Hein. La gare routière qui est plutôt bien desservie quand même les gars. Hein. Désolé. Hop. Eh, ça lag pas mal par ici. Par contre ici c'est fluide. Mais alors devant ça lag ouais. Ça lag sévère. Allez les gobelins, on te les trace. Oh mon dieu, il y a le feu vert. Il y a le feu vert. Trace, trace. Nickel. Hop. J'ai l'impression que ma voix se rétrécit. C'est ça ou pas? Non, c'est bon. Hop, priorité à droite ici, c'est pas grave. Pareil, là c'est feu vert. Let's go. Attention les amortisseurs. Aïe, on va freiner un peu ici quand même. C'est bon. Allez, dôme. Du monde, personne. Tant pis. Là, j'ai cru qu'il prenait le rond-point à l'envers, lui, j'ai pas compris. Oui, mais c'est parce qu'en fait le site propre est là, j'avais pas vu. Et par contre, ça dépend tellement de où on regarde les FPS, c'est incroyable. Ah, ça y est, on est arrivé. Enfin, et je crois que par contre, on n'a pas d'arrêt pour le terminus. Ouais, non. Ah, si. C'est bon. Ça marche. Cormeilgar, terminus. Enfin, mesdames et messieurs, après une heure, on y est. 1 minute 5 de retard, ça passe. Enfin, la ligne est tellement longue, c'est la ligne la plus longue hein, de Express d'un autre côté, fallait bien qu'on la fasse. Mais bon, je me suis bien amusé à vous la faire, avec le petit Cetra S415 NF, franchement nickel. Voilà, tout ça pour un passager. C'est déprimant. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo sur Homecity 2 vous aura plu. On va se mettre une petite girouette en retour dépôt. Voilà, parce que là j'abandonne franchement. Petite girouette retour dépôt, c'est plus possible. J'espère que tout ça vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On est enfin arrivé à Corneille. Manque plus que trouver Bernie. C'est de la merde. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Regardez tout de suite les screens du Rip NTZD fait par Guillaume. Allez, salut tout le monde.